Et bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter... Hop ! Un fourgon ! Vous y avez cru, hein ? Qui veut un VO ? Un VO ? Un VO ? Qui veut un VO qui est tout court et tout bien ? On y va ? On fait la présentation ? C'est parti ! Allez, le bandeau technique. Donc ça va vous dire quoi ce bandeau technique ? Ça va vous dire que c'est un 2 litres 3, que c'est un 130 chevaux, qu'il a 47 570 km... Il est de quelle année? Il est de 2016, du 14-09-2016, ce véhicule. 4 places carte grise, 2 couchages, châssis 3 tonnes 3. Et on va pas mettre un 3 tonnes 5 sur un 5 m41, les amis, ça sert à rien. Poids à vide, 2708 kg. Donc 7, 8, 9, 10, on a à peu près à 600 kg de charge utile. On est pas mal, je vous la note sur le bandeau. Écoutez, on est pas mal du tout. Un véhicule, je vous donnerai le prix à la fin, vous allez voir. Allez, je pense que ça va vous faire plaisir. En plus, c'est du Atria, c'est bien le Atria. Multijet 130 chevaux, beaucoup de jets et beaucoup de chevaux. Et au bonheur, on est en 2016 quand on fabrique ce véhicule. Et du fait, on a le carburant, mais là, il n'y a pas le truc bleu là qui nous embête. Vous savez, là, le bleu ? Ben non, il n'est pas là. Alors, dégage. On va d'abord faire tout le côté conducteur de ce beau 540 SPT. On va commencer par le P17 pour alimenter les prises à l'intérieur qui sont comme à la maison et pour recharger les batteries auxiliaires. Après, on va passer à la cassette toilette où ils ont eu la bonne idée de laisser un petit peu de place pour mettre son petit pot de bleu parce que vous savez qu'on est sur des toilettes chimiques. Donc, cassette Tedford, on n'a pas la rallonge, les amis, on n'a pas les roulettes, mais bon, on a la cassette, c'est le principal, hein, ça sera plus facile à nettoyer. Une évacuation Truma, donc on est sur un 4000 watts uniquement sur le gaz, que ce soit pour le chauffe-eau et le chauffage. Et on est bien sur un Twin 540 SPT. Confirmation. SPT, je sais pas le nom, je suis pas sûr. SP, ça aurait été bien. Le T, après. Bon, c'était pas encore les B à cadre. Hein. C'était les B type caravane, traité anti-UV. Mais bon, après, il est très sympa quand même. Au niveau de la carrosserie, on va faire un tour. Mais a priori, moi, j'ai rien vu de très embêtant. Moins de 2,60 sur la hauteur. 2,05 pour la largeur. Et pour la longueur, on est sur un 5,41. Vous avez vu, on a les B à projection. Donc, les B qui vont recouvrir l'intégralité, même si elles sont plus petites, elles, pour que ça soit plus esthétique. Qui vont s'ouvrir et qui sont traités anti-UV, donc les B type caravane. Une plaque d'immatriculation de très bon goût, les amis. À l'intérieur, on va quand même retrouver, comme d'habitude, notre obturation tout en 16, hein. Moustiquaire, et surtout la poignée de la porte. Donc dans la contre-porte à l'intérieur, ils vont la mettre en haut. Parce que d'habitude, elle est ici, mais ça vous permet d'y accéder plus facilement quand vous êtes au lit. Hop, on regarde pas ça tout de suite. Le câble de retenue de porte pour pas aller casser. Notre baie quand elle est ouverte contre le coin du véhicule, et ça c'est malin. Et même en vacances, vous serez quand même un professionnel. Au niveau du côté passager, on va retrouver comme d'habitude le remplissage des eaux propres. Je vous mets la quantité en incrustation. Donc avec la référence du véhicule, une grande baie au niveau de la cuisine, un marchepied tulé, et j'espère qu'on a la moustiquaire, on regarde ça tout de suite. Vérification. Et oui les amis, on a bien la moustiquaire, vous allez pouvoir vous garer à côté d'une jolie petite rivière sans vous faire bouffer par les moustiques. Par contre, regret, hein, petite larme, pas de rail extérieur pour mettre la table. Et oui, il n'y a pas le petit décochement qui permet de passer la moustiquaire. Donc tant pis, on se fera une raison, mais on mettra la table et maintenant la soute. Tiens la soute, elle est comment la soute? Choix de constructeur, ils ont mis la soute à l'arrière. Ouais, on n'a pas bien le choix en même temps. Hein. Et on va mesurer, parce que j'ai pris mon matériel. Ah ouais, je suis comme ça, je suis un professionnel, j'ai du gros matériel. On va mesurer la largeur, la profondeur, la hauteur, on va tout regarder, je vous dis ça tout de suite. Bon les amis, vous voyez au niveau du seuil de chargement, qui est renforcé en plus en alustrier, on est à 140. 140, au plus long, il y a un petit décochement là-bas. Allez, un 82, allez 83 pour la largeur, et pour la hauteur, on est à 67. Sous la barre métal, on peut gagner un petit peu plus si on va aller chercher les lattes de bois juste au-dessus. Donc du coup, bah, vous dormirez pas mal avec ces petites lattes de bois. Ça a été rajouté, je crois pas que ça soit d'origine. Éclairage de soute avec détecteur mouvement. Tiens, vous me dites ceux qui ont déjà le même modèle dans les commentaires, est-ce que c'est d'origine? Cela, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de moi. Ça, chez Adrien, on connaît. Hop, on a la fermeture de soute sur roulette. Très pratique hein, pour des animaux. Par exemple, si on va mettre le petit lit à l'arrière, c'est très pratique. Ici, un sticker pour nous symboliser que derrière, on va avoir notre combi Truma au gaz avec ici un accès directement au frost control qui est derrière la sécurité anti-gel. Je vous mets un lien pour une vidéo d'explication. Et là, on a donc une sortie chauffage sous le lit. C'est toujours sympa. Comme ça, on ne se réveille pas avec le dos glacé. Et votre kiné aura moins de boulot s'il est fatigué. Votre kiné, oh, il est crevé en ce moment. Il a besoin de vacances. Et oui, et c'est là quand même. Est-ce que j'arriverai à le... Ah, il est toujours trop serré. J'arrive jamais à le monter. Deux bouteilles de gaz de 13 kg Arso
pour les attacher. Norme VSP pour évacuer au cas où. Une simple lyre avec la sécurité gaz en roulant. C'est-à-dire que vous pouvez mettre vos bouteilles, les ouvrir et partir et ne plus vous en occuper. Ça, c'est extrêmement pratique. Au niveau de la finition, encore un seuil renforcé, alu métal. Là, pour le coup, vous n'allez pas trop abîmer. Ça va plutôt être pérenne dans le temps. Ça va très bien vieillir. À chaque fois dans les fourgons, quand on les reprend, moi je trouve la barre comme ça qui se balade. Vous savez que souvent dans les fourgons, vous pouvez la mettre là, la barre, au-dessus. Avec des attaches, vous la mettez là, c'est encore là le plus pratique. Hein. Si vous n'avez pas les attaches, après vous les commandez au magasin. Hein. Vous allez voir Yvan, vous lui demandez en pièces détachées, je pense qu'il pourra vous trouver ça sur commande. Mais c'est quand même plus pratique que vous balancez ça derrière. Et en plus, ça blabla, ça va brinque-baller quand vous roulez, ça fait du bruit, c'est pas très sympa. Allez, on va regarder maintenant la partie détente, c'est-à-dire le lit. Alors certains, je suis souvent dans les commentaires, me disent « Oui, mais il n'y a pas de baie au niveau du lit. » Bah moi, je trouve que c'est mieux. C'est mieux, on n'a pas de baie ici et on n'a pas de baie ici. Et tant mieux, comme ça, on met, si on veut, les oreillers de ce côté-là sans tomber dans des moustiquaires ou de ce côté-là, de la même manière, suivant le côté où penche le véhicule. De toute manière, vous avez deux grandes baies au niveau de la porte. Ça va suffire largement. Et puis, vous savez qu'une baie, c'est quand même une entrée éventuelle de froid. Donc, au niveau isolation, c'est quand même mieux qu'il n'y en ait pas. Moi, je trouve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve. Au niveau du lit, on a 145 aux épaules. Par contre, on n'a que 120 au niveau des pieds avec un décochement au milieu, vous voyez. Parce que, évidemment, on est sur un 5,40 m. Donc, il faut faire quelques compromis. On ne peut pas avoir un tout petit véhicule avec une maxi place à l'intérieur. Il va falloir faire des compromis. Après, ça reste du camping. Du camping très confort. Moi, ça me suffit. Maintenant, vous me dites, vous, pareil, si ça vous suffit ou pas. Quoi qu'il en soit, vous avez les petits rangements pour le smartphone. Vous avez les éclairages LED qui sont au-dessus avec des placards de ce côté. Des placards de ce côté, mais là, il n'y en a pas. Et un miroir pour amener un peu de lumière et de profondeur dans la partie arrière. Ah oui, il y a aussi un autre petit rangement ici. Ça va dépendre du côté où vous dormez. Mais bon, là, c'est quand même plus étroit, donc moi, je dormirai quand même plus de ce côté-là. On est d'accord. Au-dessus, le 40-40 avec obturation et moustiquaire. Ça, c'est là. Et juste à côté, la tâche qui est cachée là, c'est pas pour mettre son sac à dos en l'air. Hein. Non, non. C'est que en fait, on a tout ça qu'on va lever pour pouvoir mettre un meuble si on désire, parce que ça, voyez, ça se lève, c'est juste posé. Bon, là-bas, c'est attaché, je ne pourrais pas le lever complètement, mais on peut lever complètement cette partie, l'attacher, si on veut mettre, par exemple, un très beau vélo pour partir se faire un petit périple au sud, comme ça, se monter une petite montagne. Ou que c'est petit, il y a un panneau solaire, les amis. Oh ouais, ça doit être un 110, ça. Ouais, max de chez Max. On a l'éclairage extérieur, full LED, et on a également le store qui est là. Oh, ça sera pas la peine de dépenser des sous en plus. Sous le siège passager, on va trouver un emplacement pour le cric. Est-ce qu'il y a la roue de secours? Yes, il y a la roue de secours. Elle est là, vous l'avez? Et vous avez également les bips de recul. Ça, c'est la signature Adria. Sous le siège conducteur, on va retrouver un rangement. Il n'y a rien. Ça, c'est toujours pratique. Évidemment, le frein à main sur les utilitaires est à gauche. Et là, on a les deux réglages pour monter le siège d'un côté ou de l'autre. Le régulateur de vitesse est bien présent. Un autoradio lecteur CD sera présent. Une boîte 6 manuelle qui est là. Et le porte-document avec la pince pour pouvoir mettre le téléphone avec tous ces logiciels qui vont bien également. Les stores Pissé Intimité Rémis qui viennent s'aimanter en leur centre, en leur milieu, sont présents sur la partie avant. Et vous les retrouverez également sur les portières. Vous savez, c'est les systèmes avec l'aimant qui est juste là, qu'on vient redescendre et bloquer là. Le double airbag passager également présent. Le port USB également présent. Le porte-gobelet est présent. Ouais, même le volant, dis donc, ouais. Bon, ouais. Pour ce qui est des sièges, les amis, on est sur un cuir à l'extérieur. C'est un cuir, on dirait que c'est un cuir, ah, 6 mm peut-être. Et là, on a un nylon, donc c'est pas mal. Ça doit être assez pérenne. Moi, je le sens bien, en plus les accoudoirs, vous voyez. Je préfère quand il reste PVC comme ça, je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça vieillit mieux, parce qu'il y en a, ça vieillit, ils avaient tendance à plucher un petit peu. Donc on retrouve également notre réglage de butée, de hauteur, d'accoudoir, donc deux sièges. Évidemment, ça sera pratique à l'avant. Et deux places à l'arrière, donc on est bien sur un 4 places carte grise. Hein. Vous pourrez attacher David et Jonathan. On va retrouver une table avec rallonge. Hein. Il y en a un qui va manger là, l'autre qui va manger là, pour que les deux grandes assiettes ne viennent pas s'entrechoquer. Un rangement dans la partie casquette, la partie avant.
Donc bon, bah écoutez, c'est le petit rangement qu'on retrouve d'habitude, mais ça c'est toujours pratique pour mettre les parquets. Il faudra juste faire gaffe de ne pas se cogner là, vous savez. Mais ça, bon, vous le ferez trois fois, vous le ferez pas quatre. Enfin, j'espère pour vous. La petite ampoule LED type serpent qui vient se balader un peu partout, et là également, et ça, bah juste d'un seul côté, pas des deux. Ça, a priori, ça a été rajouté, ça c'est pour mettre un rideau supplémentaire. C'est peut-être pour le froid. Tiens, dites-moi ça dans les commentaires si vous avez mis ça. Je pense que c'est pour rajouter un rideau pour l'avant, pour couper un peu le froid. Il rentre par là, le froid, essentiellement. Donc le mieux, c'est de mettre des souplères extérieurs qui viennent s'attacher, vous savez, sur les oreilles, là, sur le côté, et sur les côtés de porte, avec en plus des zips comme ça pour pouvoir ouvrir quand on reste en position de 3 jours. Ça, c'est encore le plus pratique. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette plaque, quand même, hein, on est obligé de reconnaître. Allez, un rangement sous la table. J'entends déjà les râleurs. Ouais, mais ils ont sûrement mis de l'électricité, on pourra rien mettre. Eh ben, regardez. Ah, ouais, vas-y. Je me suis fait avoir. Fait y perdre un doigt. Non, on a quand même du rangement. On peut mettre exactement ce qu'on veut. Des bouteilles, etc., des chaussures, tout ce qu'on veut. On a un grand rangement dans le double plancher avant. Et une entrée de chauffage qui est là-bas. Sous les banquettes, une petite porte. Ouh, disons, les raides. Oh, on était un petit peu coquins, on aimait bien les bouteilles. Ouais, c'était de l'eau. C'était sûrement de l'eau. Allez, on va ouvrir sur le dessus pour voir comment ça se passe. C'était de l'eau, c'est sûr. L'évian. Tous les coups de l'évian. Et là, franchement, c'est pas mal fait. Là, c'est pas mal fait. Franchement, parce que là, déjà, on a tous les fusibles. Vous voyez, sous le petit capot bleu où il y a écrit Fuse. Alors, attendez, hop, parce que j'ai qu'une main ici, là. Vous avez tous les fusibles de la partie habitation, c'est-à-dire la partie cellule arrière du véhicule. Donc ça, c'est hyper accessible. Et vous avez également la batterie. C'est une batterie gel en plus, les amis. C'est une très bonne batterie en 98 ampères et le régulateur du panneau solaire avec le disjoncteur sur la droite. Donc là, on est très bien équipé et c'est très accessible. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et la deuxième partie vissée, c'est pour sécuriser les bouteilles d'évian pour pas qu'elles partent toutes seules. Allez, au-dessus de la cuisine, on retrouve... Ah ouais, alors là, par contre, les gars, ça... Ouais... Il fallait mettre un tout petit vis pour le bloquer, ça n'était pas idiot. Et là, on va retrouver notre support télé qui ne vibre pas, qui est vraiment très qualitatif. Vis est collé, on ne peut pas l'enlever. Hein, j'ai déjà essayé pour un client qui ne voulait pas la télé, c'est collé. Et tiens, a été rajouté un miroir, parce que ça, je ne crois pas que ça soit d'origine. C'est pareil, ça amène un petit peu de profondeur et de lumière. Pourquoi pas, c'est pas mal. Et là-bas, on a tout le pré-câblage, on va rajouter une télévision. Ah oui, détail, mais qui n'en est pas un, on peut sortir et tourner le support pour regarder la télé là-bas, c'est possible. Allez, c'est là que généralement, dans les commentaires, je sais ce que je vais lire. Oui, mais c'est un tout petit frigo, c'est vraiment trop petit. C'est vrai qu'il n'est pas grand, le frigo. On est d'accord. Les premiers 5m40, on avait des petits frigos. Voilà. Donc, bah voilà ce que ça donne. Vous n'aurez pas plus grand. On ne pourra pas mettre plus grand. Parce qu'à l'époque, c'est un compression tout électrique, par contre. Ça, ça prend pas sur le gaz. C'est la bonne nouvelle. C'est que maintenant, on les met dans la tranche, là. Mais là, à l'époque, ça n'existait pas encore. C'était petit. Donc, vous pouvez rajouter, si vous le désirez, une glacière électrique à compression, regardez, ça coûte 300 euros et vous doublez la capacité de stockage de nourriture. Donc ça, vous le mettez dans la soute, ça se met sur du 12 volts, vous nous dites on rajoute une prise en la branche, il n'y a pas de souci, on la fixe, ça prend pas trop de place. Vous la mettez au fond là-bas, on enlève ça, on la met là, on peut même faire un habillage avec cette porte, on la bloque, on la branche et là vous êtes tranquille. Comme ça, vous pouvez stocker. Bon, après, on est d'accord, dans ce type de véhicule, on ne va pas faire de la grande cuisine. C'est surtout du déjeuner, des nouilles, des choses comme ça. On n'a pas besoin d'un énorme frigo. Mais bon, ça, après, ça dépend de vos habitudes, c'est à vous de voir. Maintenant, on ne peut pas avoir un tout petit fourgon avec lequel on peut se garer en ville sur une place de voiture en dépassant à peine, en ayant une place énorme et un maximum de frigo. Ça, vous en êtes conscient, mais vous le savez déjà. Va falloir faire quelques petites concessions. Hein, c'est la circulation ou le confort à l'intérieur. Après, si vous voulez, moi, j'ai du 6m40. C'est possible. Alors, on n'a que deux feux. Ça suffit largement, comme d'habitude. Notre évier. Un petit bout de... Voilà, un petit peu de place pour pouvoir cuisiner, couper les carottes, comme d'habitude. Là, pour poser les éponges et tout ce qui va bien. Et ça, alors ça, c'est pour mettre un mini chiffon. Mais tout petit, le chiffon. On a en dessous un tiroir. Bon, Brigitte, tu feras gaffe, hein, tu prendras pas trop de fringues, hein, parce que, eh ben oui, on est dans un 5m40, donc forcément, bon, après, on serre bien, 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 on en met un petit peu quand même, hein. On en met quand même un petit peu. Là-bas, tiens, vous avez vu, il y a la vanne de gaz, mais ça, on n'y touche pas, c'est pour les techniciens, après, vous ne serez plus où vous en êtes autrement. Et ce qui était top à l'époque, ils nous mettaient, vous voyez, des petits taquets en métal, en alu. Vous savez, pour ça, là, parce que maintenant, ils sont en plastique, et les gens, quand ils n'ont pas l'habitude, au début, ils laissent sa sortie, ils viennent fermer, et paf, ça casse le plastique. Mais là, avec le métal, ça bougeait pas. Ça, c'était vraiment bien. C'est un petit peu dommage qu'il n'y en ait plus.
Adria et tous les copains. Le placard au-dessus, eh ben il est conséquent. Au-dessus du lit, waouh, on a des séparations partout. Ah, ça a bien joué. Ça a bien joué. Ça a été rajouté. Oh, ça me fait plaisir. Pas dans le deuxième, mais déjà dans le premier. Là, on voit que c'est un vrai qui avait ça. On a le CP+, mais oui, d'ailleurs, je vous mets un lien pour une vidéo qui explique comment ça fonctionne. J'ai fait une vidéo où j'ai essayé de passer en revue toutes les commandes de chauffe-eau chauffage. Donc le CP+, pour mettre en route le chauffe-eau, le chauffage, une programmation, au degré près en plus le chauffage, hein, donc c'est vraiment au degré près. Et là, après, vous avez tout ce qui est, vous voyez, le tableau de bord. On va à gauche, on a le niveau de la batterie porteur, on tourne un peu le niveau de la batterie cellule, on tourne là, j'allume, j'éteins, je vais là, j'active, je désactive ma pompe à eau, j'ai mon niveau d'eau propre et mon niveau d'eau sale, c'est hyper bien foutu. Ouais, il nous met un petit frigo, en plus il nous met une douche centrale, mais arrêtez de râler un petit peu, la douche centrale, vous avez déjà utilisé la douche centrale? Je peux vous dire, pour l'avoir utilisé, et ben c'est encore ce qu'il y a de plus pratique. Bah ouais, parce que minimum de place, maximum de salle de bain. Salle de bain, ouais. J'hésitais un petit peu à dire salle de bain dans un fourgon, parce qu'on est d'accord que... Par contre, très compliqué pour Richard de filmer, parce que là, je suis obligé de rentrer dedans. Allez, on rentre dedans, on se ferme. Voilà, donc il va y avoir de l'écho. Donc là, évidemment, on va enlever ça, on dégage. Ça, c'est vrai que c'est peut-être le plus pénible à gérer, c'est mettre et enlever ça. Mais bon, ça se fait. Par contre, après, on a une grande douche. On a un rideau. Donc, on a un rideau qui vient fermer là. Donc, tout ça, ça va pas se mouiller. Et après, ben, on ouvre. Tout ça, c'est sec, le toilette. Comme ça, orientable. Chasse d'eau, niveau de remplissage. Lavabo. Grand miroir pour se faire une beauté. Rangement avec des séparations. Elles sont là. Pour pouvoir caler tous ces shampoings. Parce que moi, je sais pas où, j'ai un max de shampoings. J'ai un avant, un après, un pendant, j'ai tout. Là, pour les dents, ou le dentier, ça dépend quel âge vous avez. Le petit rouleau de printemps pour mettre son peignoir. Et là, pour évacuer toute l'humidité. Pour la douche, on prend le mitigeur, on tire et on appuie, tout simplement. Et on a même le support au plafond pour pouvoir l'encastrer. Évidemment, un éclairage pour savoir où on en est et si les pieds sont bien propres ou pas. Il est sympa le lit. Hein. On a vraiment envie de se loutrer. Je sais pas vous, mais moi, bah, je peux pas, je suis au boulot. Encore en faire un petit peu. Mais moi, j'irais bien me loutrer là, avec un bon bouquin, là, tranquillou bilou. En plus, il y a un petit peu de lumière aujourd'hui. Oh là là, vivement les vacances, c'est bientôt. Bon, voilà, j'ai terminé la visite de ce petit Adrien 5m40. Et maintenant, si, eh ben, écoutez, si vous avez un budget moindre, de l'ordre plutôt de 28 000 euros, eh ben, il y a celui-ci. Ah, c'est pas la même année. Par contre, c'est un petit porteur Renault qui va bien. On est exactement à 28 500. Je vais vous faire un plan là. Il a 59 000 km, il est 2006. C'est un 2,5 litres, 125 chevaux. Bon, on fera la présentation, mais un autre jour, parce que là, ça va être un peu court. Il faut que j'aille manger. Sur ce, comme d'habitude, le pouce, le commentaire, le partage, la petite clochette, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Et je vous dis à bientôt chez Martin Caravan, les amis. À bientôt. Oh, il y a même la grosse bouteille rouge. Oh, c'est vraiment du luxe.